Hi, sweetie. Hey, Kermit! Look! I just don't see how the world makes such wonderful things. Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée à Epcot. Je suis en Disney Blonde de Mike Krasinski. Alors il est très... comment dire, il est très improvisé à la dernière minute. Là vous avez mes petits pins. J'ai un sac à dos Monstre Academy que j'ai acheté à Walt Disney World. Et derrière un nœud de Sully que vous ne voyez pas. Mais du coup, petit Disney Blonde improvisé. Je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée. J'espère que ça vous plaira. Moi j'ai hâte de passer cette journée ici. Donc là on est au Flower and Garden Festival, ce qui veut dire qu'en fait vous avez des taupières Disney un peu comme ça dans tout le parc. Donc c'est un événement qui a lieu tous les ans et je suis contente parce que j'avais peur que ce soit les mêmes taupières tous les ans, mais non en fait, et c'est juste trop joli. Bon, et là je vous emmène dans ma boutique préférée de tous les parcs Disney, Walt Disney World, pour la simple et bonne raison en fait que vous y trouvez quasiment tout. Je pense que c'est une boutique sous-cotée et je l'aime beaucoup, et généralement c'est l'une des boutiques dans laquelle je dépense le plus d'argent et qui est donc à Epcot. En fait l'avantage de cette boutique c'est qu'elle est vraiment immense, donc vous retrouvez vraiment de tout et en grande quantité en plus. Oh non mais ce sac. Cette boutique est juste immense et j'ai envie d'acheter un truc sur trois. Bon, j'ai encore fait des folies dans cette boutique, mais bon, c'est pas très étonnant. Je sais pas si le vlog va être très intéressant aujourd'hui parce que je fais pas énormément d'attractions dans ce parc. Ce que je vais faire, c'est que là on va aller dans la partie World Showcase et je vais vous montrer mes rencontres avec les personnages les moins rares, puisque les personnages rares je les garde pour une autre vidéo, mais je vais quand même vous emmener avec moi puisqu'il n'y a pas énormément d'attractions et que j'ai quand même envie de vous faire rêver un petit peu. Qu'est-ce que c'est beau par ici, franchement. Ça a beau pas être mon parc préféré parce que j'ai pas grand chose à y faire, honnêtement on peut que reconnaître la beauté de cet endroit qui est vraiment unique en son genre. Petite astuce à connaître si un jour vous allez à Epcot, sachez qu'il est plus intéressant de faire le tour dans le sens inverse que celui qui est préconisé. D'habitude les gens commencent par le pavillon mexicain. Moi j'ai souvent lu sur les forums que justement le fait de commencer par le pavillon canadien, ça permettait d'avoir beaucoup moins de monde aux attractions et au fil du temps c'est beaucoup plus intéressant. C'est ce que j'avais fait lors de mon premier voyage et honnêtement j'avais pas été déçue. Du coup, premier constat, ce ne sont pas les mêmes taupières qu'en 2016 puisque là il y avait Bambi et Pampan il me semble. Et donc nous commençons avec le pavillon canadien. C'est dommage que vous ayez pas les odeurs avec les images puisque tout le land sent le sirop d'érable et ça sent juste trop bon. Donc voici ce paysage, donc représentation du Canada. J'y suis jamais allée mais j'avoue que ce pavillon me fait très envie et me donne vraiment très envie de découvrir ce pays. Et donc il y a une attraction ici que je n'ai jamais faite qui s'appelle le Grand Circle Vision 360 degrés qui en fait vous permet d'en savoir plus sur le Canada. Je ne l'ai jamais faite, je sais pas trop si je vais la faire aujourd'hui, je pense pas. Mais voilà du coup ce que ça donne. En fait le truc marrant c'est que dans chaque pavillon vous avez du merchandising différent correspondant au pays que vous visitez, donc pas forcément en lien avec Disney. Par exemple je sais qu'ici il y a du sirop d'érable qui est vendu, des produits aux couleurs du Canada, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est assez mignon. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, et juste ici vous avez du coup l'attraction sur le Canada.
C'est juste là, du coup, on va des escaliers. Et donc, en fait, les pavillons sont tout autour du lac que vous voyez ici. Et franchement, ça rend rien en caméra, mais en vrai, c'est absolument magnifique. Nous voici donc au pavillon anglais. C'est ici qu'on peut rencontrer Alice au Pays des Merveilles. Et aussi également Mary Poppins de temps à autre. Oh, une petite fée clochette, j'adore. Et c'est hyper mignon parce que si vous regardez juste ici et juste là, il y a les maisons des fées également dans le jardin. Oh, j'adore ce sens du détail, franchement c'est juste trop trop mignon. Donc voilà les boutiques. Il faut savoir qu'il y a également des spectacles de rue qui sont proposés ici. Donc typique des pays que vous visitez. Et quand on peut rencontrer Mary Poppins, normalement c'est ici. Ça fait bizarre, on est à la fois à la maison et pas du tout. Nous voici au pavillon français, les gars. Bon, la Pixie Army, je suis en train de faire la queue pour rencontrer Aurore. Alors, petite explication qui s'impose. Je choisis de la rencontrer parce que tous les personnages sont en pause déjeuner, un, petit 1. Et petit 2 parce que je trouve que, même si c'est un personnage que j'aime pas plus que ça, je la trouve vraiment belle physiquement. Et je trouve que du coup, ça peut faire de jolies photos. Et puis bon, comme je m'appelle Aurore, je me dis tant qu'à faire, ça fait petit rappel. Mais je vous rappelle que ce n'est pas un personnage que j'apprécie. Hein. C'est important de le souligner. Et je ne ferai pas ça pour mine. Aurora, this is Aurora. Bon, c'était hyper drôle parce que du coup, la cast member nous présente et dit « Princesse Aurora de France, voici Princesse Aurora de France ». Donc voilà, dis donc, est-ce qu'elle était belle cette cast member? Franchement, elle fait une très 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 belle Aurore. Elle parlait beaucoup, donc j'ai pas compris tout ce qu'elle me disait. On a parlé de la couleur de nos robes, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup Bob Razowski, mais à part ça... Bon, par contre, la Pixie Army, je suis méga méga à la bourre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger directement vers le pavillon norvégien, puisque j'ai un fast-pass pour l'attraction Frozen que je n'ai jamais faite, donc je veux vraiment pas manquer ça, sachant qu'en plus il y a des temps d'attente faramineux pour cette attraction. Et après je retournerai me promener dans les autres pavillons que j'aime beaucoup. Donc là c'est le pavillon marocain qui est absolument magnifique. Comme vous pouvez le voir, on voyage vraiment entre les différents landes, tout est vraiment très très bien pensé et thématisé. J'aime bien parce qu'il y a vraiment un esprit marché avec le Flower and Garden Festival. J'ai pas souvenir qu'il y avait ça il y a 2 ans, mais du coup il y a plein de stands pour la nourriture aussi. Et c'est très joli. Et donc maintenant, après le Maroc, on passe au pavillon japonais qui est l'un de mes préférés, en particulier pour sa boutique de souvenirs qui est assez particulière et que j'adore. Mais je vais vous montrer ça directement, vous comprendrez je pense. Regardez-moi cette beauté. Ce land est magnifique et je pense que c'est l'un des plus grands aussi. Enfin, il donne vraiment une impression d'immensité cet endroit. Et donc maintenant on va directement à la boutique de souvenirs parce que j'adore cet endroit. Ça vous étonnera beaucoup. Hein. Donc là on est dans l'espace un peu kawaii. Comme je vous le disais, hein, dans les boutiques d'Epcot, c'est pas du tout forcément des boutiques, ce n'est pas forcément des produits Disney. Ce qui explique par exemple la grosse présence de Pokémon par ici. Oh, c'est trop mignon. Dragon Ball, One Piece. Morocco is cheap. On dirait plus du tout un vlog Disney, hein, pas vrai? J'adore! Donc je viens de découvrir qu'il existait des Art of de Ghibli. Comment vous dire que c'est sûr que je vais faire de nouvelles dépenses très prochainement. Alors pas Walt Disney World parce que là clairement j'ai plus de place dans la valise. Mais en rentrant je regarde ça sur Amazon, hein. C'est obligé. Et du coup là on a le côté vraiment plus traditionnel du Japon, donc avec tout ce qui est kimono etc.
C'est magnifique. Hein. En plus, ça sent l'encens. Mais ça, c'est la partie nourriture un peu plus chelou. Donc là, il y a une exposition en fait un petit peu sur des trucs japonais. C'est exactement la même chose qu'il y a 2 ans. Donc en fait, c'est une exposition de choses japonaises, une exposition un peu improvisée, c'est marrant. J'avais flashé il y a 2 ans sur cette théière Pikachu. Je la trouve trop belle. Par contre, ça veut dire que du coup, la vitrine n'a pas été changée depuis 2 ans. C'est un peu particulier. Oh, il y a Pikachu. C'est tellement beau. À quand une attraction Coco ici? Ce serait tellement magnifique. Puis à Disneyland Paris, hein, tant qu'on y est.